Magnifique, grandiose et époustouflant, les adjectifs se bousculent autant que les sommets observables depuis la terrasse du Pic du Midi pour décrire ce point de vue. C'est l'un des plus beaux panoramas européens, voire mondial, hein, Les animateurs nomment et détaillent chaque point culminant, comme ils expliquent les rudiments de l'observation des étoiles, longtemps la vocation essentielle des lieux, transformée depuis une quinzaine d'années en site touristique. La Brèche de Roland, je suis avec ma sœur et mon beau-frère. On a fait la Brèche de Roland à pied et je voulais leur faire voir. Et là, avec le soleil, c'est magique. Bon, je suis avec mon amie australienne qui est ici et je lui fais découvrir les plus belles choses de la région, quoi. Si la majorité des 120 000 visiteurs annuels grimpent durant la journée à 2856 mètres, l'altitude de la terrasse, le pic développe des visites plus originales et lucratives. L'observatoire, rénové sur fonds publics, doit dégager ses propres recettes pour équilibrer ses comptes. Les nuits, au prix en rapport avec l'altitude, affichent complet, mais aussi des soirées avec repas et le spectacle inoubliable du coucher de soleil. On a, depuis le début, essayé de faire partager la magie du site. Et la magie du site, c'est vraiment la nuit, la magie de l'observatoire. Donc on a mis en place les nuits en 2006, puis on a complété avec des soirées. Pour renouveler son offre et son attrait, le Pic engage des travaux de rénovation, pour l'heure sans effet sur le portefeuille des visiteurs.